Regardez, il est trop mignon. On va reverse tous ensemble, on va essayer de speedrun. Ok, on continue. Oh, j'ai eu un ultimate. Ok les gars, dans la dernière vidéo, il y avait 3 cadeaux à gagner. Aujourd'hui, on va doubler le chiffre. Donc il n'y en aura pas 3, mais il y en aura 6. On double. Et du coup, il y aura tout ça à gagner. Pour les abos de la part de Noah, de la part de Lulu, à faire gagner YouTube, et de la part de Maël pour les abos. Du coup, on va tout récupérer. Hop, faut pas que je me trompe. Du coup, il y avait quoi à gagner? Alors, si j'ai une bonne mémoire, il y avait ça et une licorne, je crois. Je vérifie. C'est où? C'est là. Ouais, c'est exactement ça. Du coup, regardez les gars, il y a les 5 exclusifs là à gagner. Et en plus de ça, il y a l'overboard. Donc ça fait 6 cadeaux. Donc n'hésitez pas à mettre votre pseudo dans les commentaires. Et très 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 important, me dire lequel vous voulez parmi les 6. Là vraiment il y a beaucoup de choix les gars. Donc soyez assez réfléchis. Et donc voilà tous les petits cadeaux. Franchement il y en a pas mal. Mais si on double à chaque fois les cadeaux, c'est dire dans la prochaine vidéo il y aura 12 cadeaux. Non c'est trop. On verra. En tout cas bonne vidéo à tous. Et à tout à l'heure sur le live, à 18h, sur YouTube. Dans la dernière vidéo, il y avait 3 exclusifs à gagner. Et aujourd'hui, parmi tous les commentaires, on va tirer au sort les vainqueurs. Ok, c'est parti pour le premier vainqueur. Et c'est Amélie Alice, le Love Cat, s'il te plaît, et pseudo Zebra. Ok, et bah c'est parti. Ok, on est directement dans le jeu. Et du coup, on va envoyer le petit Love Cat à Zebra. Alors, Love Cat. Ah, il s'appelle pas comme ça. Je sais pas comment il s'appelle. Cat quelque chose. Ah, il est là. Valentine Cat. Ok. Gros GG à toi. Hop, boum, boum. Oui, cadeau envoyé. Ok. Non, oh non, ah non, mais non, mais là, ah mais là, vous abusez, les gars. La personne, elle accepte que les huge. Bah, je vais devoir prendre un autre vainqueur. Bah oui. Bon, bah, les gars, on va retirer au sort quelqu'un d'autre parce que la personne, elle accepte que les huge. Ah, bah, c'est Meg. POV, je suis pas sa copine. Non, les gars, on avait fait exprès avec Meg de mettre un titre un peu putaclic, mais c'est pas. Voilà, vous avez capté. Mais du coup, pseudo, je sais pas ce que c'est. C'est Meg Blue Girl, peut-être. Je vais tester, je vais lui envoyer un cadeau. Hop, c'est drôle qu'elle ait gagné. Et du coup, le Valentine 4. Boum. GG, et je vais marquer ma copine, comme ça, elle va rigoler. Hop, envoyé et tadam. Premier cadeau envoyé. Ok. Par contre, c'est drôle que ça tombe sur elle. Deuxième cadeau, et c'est Accrouche. Ah ouais, c'est vraiment ta copine, mais frère, arrêtez. On vous a dit que c'était un prank. Ok, j'ai réussi à trouver son pseudo, les gars. Mais la prochaine fois, s'il vous plaît, écrivez votre pseudo dans le message. Parce que c'est un peu chiant de devoir chercher à chaque fois le message qu'il faut. Du coup, la prochaine fois, écrivez directement dans le message, s'il vous plaît. En tout cas, GG à lui. Hop, on lui envoie le cadeau. Tadam. Et du coup, c'est parti pour le dernier vainqueur. Ok, c'est parti. Select random comment. Et c'est Aaron. Ça me casse la... Wesh, que j'ai des mates sur Valo qui sont nuls, j'ai le seum. Mais qu'est-ce qu'il nous raconte, lui? Lui, il a tout, il a rien compris. Mais c'est pas grave, on va quand même lui envoyer le cadeau. Ok, on est directement dans le jeu pour envoyer le troisième cadeau. Hop, et du coup, on va lui envoyer le dernier, le Stargazing Wolf. GG, tu as gagné. Hop, envoyé, oui. Et tadam, troisième cadeau envoyé. Ok les mecs, comment ça va tout le monde? Aujourd'hui les gars, on a plein de choses à faire. Premièrement, on va aller découvrir la mise à jour donc Dino Lab Tycoon partie 2 parce que j'ai fait un post communautaire sur YouTube en vous demandant est-ce que vous vouliez que je fasse une vidéo sur la partie 2 parce que vous savez, mais la vidéo de mercredi, c'était une vidéo Titanic, donc n'hésitez pas à aller la voir, j'ai eu double Titanic dans un seul code. Enfin j'ai eu deux codes dans une seule peluche, hein, vous avez compris. Et du coup, bah, j'ai pas pu faire de vidéo sur la partie 2 de la mise à jour, même si on l'a fait ensemble en live, vous le savez, venez en live sur Twitch, les gars, tous les soirs à 20h30. Mais du coup, on va la refaire ensemble, et en plus de ça, les gars, ce qui est cool, c'est que je peux rebirth. Donc on va rebirth tous ensemble, et on va essayer de speedrun. Deuxième truc, les gars, que j'aimerais vous montrer, c'est que j'ai packé un huge, les gars, vous rêvez pas. Alors, où est-ce qu'il est? Il est là. Regardez, il est trop mignon. Et les gars, vous pouvez bien voir que je l'ai pas acheté, parce qu'il est que niveau 1. 58 millions, il y en a 18 000 qui existent. Et je vous mettrai même un screen à l'écran si je le retrouve. Faudrait que je le retrouve. Mais du coup, regardez. Il est trop mignon. C'est un petit bébé dinosaure dans un œuf. Franchement, c'est original. Parce que d'habitude, les huge, les gars, c'est juste... Regardez, je vais vous montrer. Mais par exemple, je sais pas, je prends un truc au pif. Mais regardez. D'habitude, les huge, c'est juste un pet carré, tu vois. Alors que là, c'est littéralement dans un œuf. Donc, il est trop mignon. Et je suis trop content de l'avoir packé. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va regarder la daycare. Parce qu'on sait jamais. Attention. Ah, j'ai même pas vu. Wesh, on a eu un truc bien ou pas? La daycare, elle est tout le temps buggée, mais. Peut-être qu'on a eu un truc bien. Ok, et ben en tout cas c'est parti. D'ailleurs j'ai un... Attends. Encore mieux que Rebirth les gars, j'ai une meilleure idée. Encore mieux que Rebirth. Ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un pack opening. Alors, normalement j'ai plein de choses à ouvrir. On va regarder tout. Wesh, j'ai 250 sacs, c'est une dinguerie. J'ai quelques sacs de météorites, on va les ouvrir. Même si les gars j'ai déjà eu le huge dans la dernière vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Et ben on sait jamais hein, un deuxième pourquoi pas. Ok non. Et du coup bah c'est parti pour ouvrir plein de dino gifts pour espérer avoir le petit huge parce que on a déjà eu le huge météorite les gars mais on n'a pas encore eu le huge électrique donc ça serait sympa en vrai. Donc c'est parti, on va en ouvrir plus de 200. Donc ça les gars c'est ce que j'ai eu en farmant. Vous savez je farme pas souvent sur le jeu parce que j'aime pas trop AFK mon PC. Mais là les gars je me suis dit pourquoi pas. Ça fait deux nuits que je farme les gars
Et c'est comme ça que j'ai eu bah, le petit huge dinosaure dans l'œuf. Parce que c'est vrai que si je farme pas, bah, je peux pas l'avoir le huge. Il va pas apparaître comme par magie. Donc il faut un petit peu farmer. Hop. Même si bon, c'est vrai que ça fait 2 nuits que j'ai mal dormi les gars, mais bon. C'est pas grave. J'ai sacrifié mon sommeil les gars pour avoir un huge. Est-ce que c'est rentable ou pas? Je sais pas. Mais au moins j'ai eu un huge. Donc rentable à moitié. Ok, on continue, on continue. Oh, j'ai eu un ultimate. Après c'est le pire ultimate que j'ai jamais vu de ma vie, mais c'est pas grave. Après l'ultimate en soi, est-ce qu'il est vraiment nul? Parce que ça te donne plus de force sur tes pets. Certes c'est pas ouf, mais bon. Au moins pour les gens qui n'ont pas beaucoup de gemmes en vrai, vous pouvez avoir un ultimate presque gratos. Donc c'est sympa. D'ailleurs les gars, très bien, mais regardez. Maintenant que je suis niveau max, je suis passé niveau max les gars en live, donc niveau 30. Même si vous voyez qu'on peut quand même faire les niveaux, ça sert à rien parce que c'est bloqué au niveau 30. Donc je les ferai quand même, mais on est bloqué au niveau 30. Et du coup, bah c'est trop cool parce que je l'ai fait en live les gars sur Twitch et puis on est monté niveau max. Trop bien. Trop trop bien. Bon bah les gars, c'est les derniers trucs. Dernier petit cadeau. On espère avoir le huge et malheureusement, on l'a pas eu. Donc c'est un peu dommage d'avoir farmé toute la nuit pour au final rien avoir. Mais bon, tant pis. D'ailleurs les gars, je vais vous montrer quelque chose les gars. Je vais vous montrer comment j'ai fait pour l'avoir. Alors déjà, huge machine, vous voyez que j'ai énormément de tokens. Donc là les gars, ce qu'il faut faire, c'est toujours mettre à 100%. Là vous voyez que j'étais à 70%. 70% c'est nul. Donc vous remettez des tokens pour que ce soit à 100%. Deuxièmement les gars, encore une meilleure technique. Quand vous venez ici, et bah vous mettez... Attends, c'est pas là. Ouais, je suis bloqué. En même temps, des auto-hatch, évidemment, vous mettez le charge egg, les gars. Comme ça, ça fait les œufs plus chanceux. Pas sûr que ça marche avec les huge, mais faites-le quand même, les gars. Surtout quand vous êtes pièce maximum comme moi. Ça vous coûte rien, c'est super. Et puis golden egg aussi, c'est sympa, mais je le fais pas parce que ça coûte vraiment très cher. D'ailleurs, attends, oui, mais du coup, regardez. Vous voyez que j'ai eu le petit huge juste là, très mignon. Et du coup, je vais vous montrer un autre truc, les gars. Mais ça, c'est une astuce qu'un abonné m'a expliqué. Alors je vais vous dire la vérité, je sais pas si ça marche. Ça se trouve il m'a dit de la merde les gars, on sait pas. Mais il m'a dit il faut aller dans la Millionaire World. Donc on va y aller. Et ensuite il m'a dit il faut dépenser les billets dans la machine. Donc juste là. Regardez. Et là il m'a dit si tu prends Egg Boost, et bah t'as plus de chances d'avoir le huge. Je sais pas si c'est vrai les gars, mais moi je l'ai fait. Donc regardez, je suis à plus 92% là. Donc c'est plutôt cool. Je sais pas si ça marche vraiment, mais en tout cas ça a l'air stylé. Donc moi je l'ai fait les gars. Donc je vous conseille de faire comme moi. Et en plus de ça, les gars, en plus de donc le charge egg, en plus des billets, en plus du 100% token, vous pouvez aussi rajouter en plus de ça donc magic egg pour avoir des golden et des rainbow. Vous pouvez rajouter aussi ultra lucky pour plus de chance, better lucky pour plus de chance, huge hunter pour avoir plus de chance des huge, plus 15 hatch, donc ça c'est pour avoir plus d'œufs en même temps. Donc c'est très important, on pourrait croire que ça sert à rien, mais c'est très important pour ouvrir plein d'œufs à la fois. Aussi le egg machine, les gars. Donc vous voyez que moi j'ai 103 œufs, voilà, j'ai tous les œufs clairement, donc j'ouvre beaucoup d'œufs. Et encore en plus de ça, vous vous mettez un enchantement avec plein de huge hunter, des lucky eggs les gars, shiny si jamais vous voulez un shiny, moi j'en voulais. Ça sert à rien mais j'ai pas d'autres livres à la place. Et super magnet, très important pour avoir toujours plein de pièces, c'est très important. Et encore en plus de tout ça, vous buvez des potions lucky egg maximales les gars, lucky egg X ou alors 9 si vous n'avez pas X. Et des huge potions et des cocktails. Et là les gars, si vous buvez et mettez tout ça comme moi, là les gars vous allez avoir 100% des huge, c'est sûr. Donc faites moi la même technique que moi les gars. Et en tout cas ce qu'on va faire, c'est qu'on va rebirth. C'est parti. Allez les gars, on va rebirth tous ensemble. On va essayer de speedrun. Ouais, je trop stylé l'animation. Bon, je vais faire semblant que je l'avais pas vu, mais je l'avais déjà vu. Hop. Et donc là normalement je reprends à 0 pièce. Mais il y a une technique les gars, une technique très secrète. Regardez. On va aller dans l'île de Alex. Hop, c'est parti. Et donc là, vous allez dans l'île d'un pote. Hop, vous voyez qu'Alex, il doit être sûrement en train d'AFK. Ouais, voilà. Il est en train d'AFK. Et ce que vous faites, les gars, vous prenez vos petits pets. Hop, vous les mettez dans la maison de Alex. Ou alors d'un autre pote, peu importe. D'ailleurs, attends, fais voir. Wesh, il y a des mecs, ils ont fait 2000 rebirths. Non, ils sont malades. Ils sont malades, ils ont un problème. Wesh, le mec, il a fait 4 fois plus. 4 fois plus que le 11e. C'est une masse. Mais il est fou. Les gars, il y a des gens, ils sont fous, c'est pas possible. Comment tu peux être aussi fou que ça? Oh d'ailleurs, merde, putain, je suis trop con, je me suis trompé. Ne faites pas la même erreur que moi, les gars. Oh merde, je suis vraiment gogol. C'est vrai que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut mettre les pets, et ensuite, il faut se téléporter à son île. Parce que moi, j'ai quitté l'île, donc ça marche pas. Donc là, regardez, hop, vous faites home.
Donc là, vous allez voir que je gagne 1 milliard de pièces, enfin même 20 milliards, avec le laissé grâce au Super Magnet. Si vous n'avez pas le Super Magnet, les gars, ça va être très compliqué pour vous, je vous dis la vérité. Il coûte combien en plus? 700 millions. C'est vraiment pas cher, 700 millions. Enfin, c'est un peu cher, mais ça va. Ok, bref, c'est parti, les gars, pour speedrun. J'espère que je vais le faire le plus vite possible. On va essayer, en tout cas. Hop. Boum, boum, boum. En plus, comme j'ai un overboard shiny, bah ça va encore plus vite. Boum, boum, boum. On continue, on continue, on continue, on continue. Ouais, attends, mes frères, c'est... En vrai, c'est quand même galère. Du coup, là, c'est la première partie, les gars. Mais là, la première partie, on l'a déjà fait tous ensemble plein de fois en live, en vidéo. Donc, vous avez déjà vu. Tout le monde la connaît par cœur. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est la partie numéro 2. Donc, on va aller la faire après. Mais je vais quand même pas vous mettre de cut. Parce que j'aurais pu vous mettre un cut et tout. Et puis qu'on se retrouve directement sur la partie 2. Mais au final, on a envie de voir quand même la partie 1. Et puis, si vous avez pas envie de voir, vous skippez la vidéo. Mais en réalité, vous pouvez rester quand même. Parce que c'est quand même stylé. Hop, comme ça vous allez voir comment je suis rapide. Vous allez vous dire, wesh, il est trop rapide ce mec. Et oui les gars, j'ai la strat. Hop, boum boum boum. On enchaîne. D'ailleurs je sais pas c'est quoi le world record. Je pense que les gens qui font plus de 2000 rebirths les gars, eux ils ont un world record de malade, c'est sûr. C'est sûr qu'ils ont un world record de malade. Hop, on continue. Hop hop hop. On fera le tour de l'île après, d'abord on s'occupe de toutes les zones. Moi c'est ce que je vous conseille de faire. Surtout si vous n'avez pas le super magnète, les gars, c'est vraiment la meilleure technique de faire d'abord les zones de breakable avant de faire les arbres, etc. Parce que si vous n'avez pas le super magnète, bah, ça va coûter trop cher de faire des arbres. Donc moi, je vous conseille vraiment de faire ça. Hop, comme ça, regardez, hop, t'as déjà la troisième zone de breakable et puis t'enchaînes, tu vois. D'ailleurs, là, on va aller vite fait faire les hélicoptères parce que ça, c'est très rapide et très simple, il n'y en a que 3. Boum. Ensuite, là, il y a du coup la dernière zone qui est là, qui est assez stylée en plus. Moi, je l'aime beaucoup, cette zone. Même s'ils l'ont changé d'endroit, parce qu'avant elle n'était pas ici. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fout un peu. Les mini islands aussi, ça c'est très chiant, mais bon, tranquille. Hop, du coup là, on a mis tout ça, c'est parfait. D'ailleurs, j'ai envie de voir, est-ce que mes chances ont été reset ou pas? Ah non, regarde, j'ai encore 70%. Bah tant mieux, sinon, ça aurait été un peu de l'arnaque. Hop, ici du coup, on a le truc du rebirth. On a gold machine, rainbow machine. Ici, on a des petites pierres, boum boum boum. On enchaîne vraiment tout, les gars. Hop. Ici on a le petit hop 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 jet ski niveau max. C'est vraiment très important, hein, faut rien louper. Si vous loupez un seul truc, ça va pas le faire. Et après vous devez tout recommencer. Hop. Là on a du coup des stones, des trees, des stones, des trees. Hop. C'est vrai que c'est un peu mal fait leur tycoon parce que il y a des boutons, tu dois revenir en arrière des fois. Et c'est vraiment chiant. Hop, on continue. Boum boum boum. Hop, le petit dock. Je sais qu'il y a des lumières à faire aussi. Donc c'est vraiment chiant. Faudra retourner en arrière après. Mais normalement là on a rien loupé. Ah là une petite fleur. Vous voyez des fois tu prends un bouton et au final il y a un bouton qui se remet derrière. Regardez là-bas. Non c'est vraiment chiant ça. C'est à dire que tu dois revenir en arrière à chaque fois. C'est vraiment chiant mais bon. Admettons, admettons. Et du coup il nous manque vite fait un arbre là. Et regardez là les gars c'est très important de revenir ici. Parce que vous avez peut-être loupé des boutons. Enfin on vous les avait pas vraiment loupés. Mais c'est juste que bah ils s'enlèvent. Enfin ils apparaissent plus tard. T'as capté. Ok, du coup on continue, hop, dans la deuxième zone. C'est parti. Hop, là c'est du coup les piliers pour faire la première breakables. Celui-là elle donne beaucoup de pièces en plus, donc je vous conseille de la faire en première. De toute façon vous n'avez pas vraiment le choix. Hop, ici l'entrée, on met les breakables, boum, on met les œufs. Vous voyez que ça coûte quand même cher mais que je suis quand même à 200 milliards donc c'est vraiment incroyable. D'ailleurs je crois que c'est mon troisième rebirth, j'ai pas envie de dire de la merde. Ou peut-être que j'ai de la merde. Attends, fais-moi voir. Ah, je sais pas. On peut pas voir, on est à combien. Il faudra faire le panneau après. Bah, je ferai le panneau après. Puis on verra, je suis à combien de rebirths, les gars. Mais je pense que c'est mon troisième. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir faire des trucs. Donc c'est trop bien. Enfin, quand je dis des trucs, vous savez de quoi je parle. Attention. Hop. Hop. En plus, j'ai des clés d'accès, donc c'est parfait. On va pouvoir utiliser toutes mes clés d'accès. Même si j'aurais pu les vendre. Mais bon, je crois que j'en ai pour 10 millions. Donc bon, c'est pas non plus. Je vais pas faire grand chose avec 10 millions de gemmes, tu vois ce que je veux dire. D'ailleurs, personne m'a demandé dans les commentaires, mais vous devez peut-être vous demander pourquoi t'as jamais de. Pourquoi t'as jamais de pièces. Non, pas de pièces, de gemmes. Bah, c'est très simple, les gars, parce que moi, mes gemmes, je les utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je vous conseille de faire comme moi. Parce que vous savez que vos gemmes, ça sert à rien de les garder dans votre inventaire, les gars. Genre, il y a des gens, je les vois, ils ont 2 milliards de pièces. Les gars, ça sert littéralement à rien. Genre, vraiment, ça sert à rien. Qu'est-ce que vous allez faire avec des gemmes dans votre inventaire qui dorment? Genre, je sais pas, acheter des huge à la place, et puis comme ça, vous les revendrez plus tard, plus cher. Enfin, en fait, ça sert à rien de juste garder des gemmes dans votre inventaire pour rien. Ça sert à rien. Parce que, imagine, après, les prix des items, ils montent encore et tout.
Enfin, parce que, en fait, la plupart des gens qui gardent des gemmes, c'est soit pour acheter des Titanic, soit pour rien, mais. Genre, si le Titanic il monte en prix, bah vous avez un peu le seum après. Ok, et bah on a bientôt fini. Hop, il nous manque, je crois, plus grand chose là. Il manque combien de trucs? Il doit manquer juste ça, mais du coup, j'ai pas assez de pièces. Donc, on va attendre un petit peu. Et pendant qu'on attend, on va aller directement tester le troisième reverse, parce que normalement, je l'ai. Oh oui, je l'ai! Oh, trop bien! Bah, c'est parti, hein, on va le péter. Hop. Ok, les gars. Maintenant qu'on a le troisième rebirth, on peut faire plein de fois ce petit mini-jeu, j'allais dire, des clés. Je vais regarder j'ai combien de clés d'ailleurs, parce que là, je peux en faire plein, je pense. J'en ai. Où est-ce que c'est? J'aime pas où c'est là. 45! Bon, je vais peut-être pas faire. Bah, si, en fait, si. Je sais pas, en fait. Est-ce que j'en fais 45? On verra. Hein. Si j'ai pas la flemme. Je pense que je vais en faire un petit peu. Et puis, on verra si je continue. Je vais prendre des petites potions de dégâts. Hop, pour faire encore plus mal. Je vais mettre aussi mes chest breakers. J'aime pas où il est. Il est là. Ça, c'est un bon enchant pour faire des dégâts. Ah non, quoique, c'est pas le meilleur. C'est quoi le meilleur truc? Shiny, mais ça, j'ai pas de shiny. Donc, je vais mettre plutôt ça. Je vais mettre ça. Et puis ça, peut-être. Bon, j'ai mis des enchants un peu random, mais tranquille, tranquille. Du coup, alors, c'est pas ça que je voulais regarder. Je voulais regarder vite fait. J'ai combien de clés, les gars? J'ai 5 millions de clés. Ouais, ça va. Bah, du coup, le prix il a baissé parce que j'avais plus de 10 millions avant. Ouais, le prix il a un peu baissé. Vous voyez que ça casse super vite avec cet enchant. Comme quoi, les enchants c'est vraiment important. Hop. Ok. D'ailleurs, je crois qu'ils ont patché le fait que les items ils restent bloqués à l'intérieur. Parce qu'avant, les items ils restaient bloqués à l'intérieur, c'est trop chiant. Mais du coup, là, ouais, j'ai des bons enchants ou pas? J'espère, hein. J'espère que j'ai des bons enchants. Normalement, ça devrait aller, mais. Je pourrais même enlever le super magnète en vrai. Pour mettre à la place, genre ça. Tu vois, ça fait plus de dégâts comme ça avec les pets. Normalement, c'est pas mal. Ou alors, non, parce que il vaut 2000 et moi, quand un enchant il vaut pas cher, je pense que c'est de la merde. Et je pense qu'on a tous un peu le même biais cognitif. Ok, on continue. Boum, boum, boum. Encore, encore, encore. Après, j'ai vraiment la flemme de tout faire, mais je vais quand même le faire. Ou au pire, je vous mettrai un accéléré dans la vidéo. Ouais, je pense. Bon, ma petite accélérée, et puis vous verrez dans beaucoup de temps si, si j'aurais eu le huge ou pas. En tout cas, je vais utiliser mes 40 tickets et puis on verra. Mais je crois que normalement, je peux peut-être l'avoir. Je sais plus les chances, je les avais regardées sur Twitter, mais bon. En tout cas, accélérée, c'est parti. Ok, les gars, il y a une météorite qui vient d'apparaître, c'est parti. On va la péter. Oh là là, j'étais en train de farmer depuis tout à l'heure. Je vais regarder si j'ai eu le huge d'ailleurs. Je crois pas, mais. Ouais, non, je l'ai pas eu. Mais c'est pas grave. Parce que peut-être qu'on l'aura dans la météorite. Et c'est possible, hein. Croyez pas que c'est impossible de l'avoir dans la météorite. Parce que les chances, elles sont quand même assez basses. Mais je crois qu'il y a plus de chances de l'avoir dans les cadeaux de météorite plutôt que dans la météorite directement. Mais bon, on sait jamais. D'ailleurs, les gars, j'ai acheté le Forever Pack. Bon, pas celui-là, mais celui d'avant. Hors vidéo. Et malheureusement, je n'ai rien eu, à part, je crois, un overboard, mais bon. Ce qu'on voulait, c'était un huge, malheureusement. En tout cas, on continue, on continue. On casse, on casse, on casse, on casse. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. On y est presque. Attention. Allez, huge, je t'en supplie, en rainbow, rainbow. Oh, trois cadeaux. Trois cadeaux, c'est beaucoup bien. Bon, ça veut rien dire, je sais pas parler, mais c'est très très bien, trois cadeaux. Hop, et on a aussi deux cadeaux comme ça. Attention, ok, un livre violet, pourquoi pas. Et rien, malheureusement. Un peu triste, un peu triste. Ok, et ben on enchaîne. Et puis les gars, je vous re-retrouve encore tout à l'heure. D'ailleurs, je viens de retrouver les chances sur Twitter, les gars. Et du coup, dans le x25, vous avez. Attendez, laissez-moi regarder. Vous avez une chance sur 8000. Attends, mais c'est bien en vrai. Attends, mais c'est super. C'est trop bien. Bah alors ça se peut qu'on l'ait en fait. Parce que sur le premier les gars, vous avez une chance sur 80 000. Donc c'est énorme. Ça m'étonnerait que vous l'ayez. Après ça se peut mais 80 000 c'est quand même chaud. Mais là le x25 donc 3 rebirths seulement. Donc vraiment 3 rebirths, tout le monde peut le faire. C'est vraiment simple, c'est pas trop long. Et bah vous avez une chance sur 8000. Donc c'est à peu près pour ceux qui jouent à Pokémon les gars. Moi j'aime bien comparer. Bah c'est comme si t'avais les chances d'avoir un shiny sur les premiers jeux Pokémon. Ou alors, parce que
Vous savez, sur les premiers jeux Pokémon, c'était une chance sur 8000. Ou alors, sur les nouveaux jeux, une chance sur 4000, mais genre deux fois, tu vois. Donc ça va. Sinon, si jamais vous êtes déterminé, vous pouvez faire le x50, les gars. Et le x50, c'est une chance sur 1600. Donc c'est encore plus simple. Et si vraiment vous êtes déter, les gars, le x100, c'est une chance sur 800. Donc 800, c'est vraiment, c'est que dalle. Une chance sur 800, c'est easy, les gars. Genre vraiment, tout le monde peut l'avoir. Et les chances des dans les météorites, c'était une chance sur 2000. Donc c'est pour ça que je l'ai eu, moi. Parce que c'est vraiment simple. Donc voilà, c'est trop bien. Et le Huge Egg Dino que j'ai eu d'ailleurs, c'était une chance sur à peu près 5 millions. Parce que j'avais le x100 d'activé, même si ça baissait un petit peu. Donc c'est plutôt, ouais, 50 millions. Donc j'ai vraiment eu de la chance quand même. Comme quoi, les gars, il y a certains trucs plus simples que d'autres. On pourrait croire, mais c'est vraiment les mini-jeux où c'est plus simple que les œufs directement. Alors que tu vois, pour l'instant, bah, j'ai pas encore eu le Huge alors que j'ai déjà eu le Egg Dino. Donc c'est vraiment cool en fait. Mais bon, du coup, j'abandonne pas, les gars. Ça m'a remotivé. Hop. Et puis, let's go, hein. On va regarder, il m'en reste combien des cartes? Il m'en reste 25. En fait, je viens de réaliser que c'est quand même beaucoup en vrai. Je viens de réaliser que c'est quand même beaucoup 8000. En vrai, non. En fait, ça va. Pour de vrai, 8000, ça va de ouf. Mais c'est vrai que sur 25 cartes, c'est beaucoup. Parce que j'ai pas non plus beaucoup de cartes, hein. Je pense que si j'aurais 500 ou 1000 cartes, en vrai, j'aurais peut-être pu l'avoir. Mais là, avec 25 cartes, les gars, je peux rien faire en vrai. C'est impossible. J'ai quand même essayé, mais vas-y. Faut pas rêver non plus. Faut pas être crazy. Mais bon, on sait jamais. Ok, regardons, il en reste combien? Il nous en reste 18 encore. On est quand même bien, ça va. Ça va, ça va. Je vais mettre un petit charme sur lui. Tu vois, je mets les petits charmes de temps en temps. Ça fait plaisir. Je devrais même mettre des charmes diamants à tout le monde. Attends, je vais faire ça. Je vais mettre des charmes diamants à tous mes pets. Comme ça, je vais pouvoir avoir plein de diamants. Hop. Boum 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 boum. Oh, magnifique. Et encore. Hop 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 hop. Oh là là, magnifique. Oh, magnifique. Oh, j'ai mis des diamants partout. Alors là, frérot, je vais être riche en diamants. Après, ça se trouve, ça marche même pas. Ça se trouve, il y a un nombre limité de charmes. Parce que vous savez, les enchantes, je crois, apparemment, si t'as plus que 4 fois le même enchant, ça sert à rien et ça marche pas. Bah, c'est peut-être pareil avec les charmes. Genre, par exemple, si t'as genre plus de 20 fois le même charme sur des huge, peut-être que ça marche pas, les gars. J'en ai aucune idée, mais ça se peut. Ça se peut, ça se peut. Parce qu'ils aiment bien mettre des trucs maximales, tu vois. Genre, en mode, même si t'as les meilleurs pets de l'année, bah, il y aura toujours des taux qui vont te limiter, tu vois. Donc c'est un peu chiant. D'ailleurs, il y a une météorite qui vient d'arriver. On va aller la chercher. Attendez. Bougez pas. Alors, où est-ce qu'elle est cette petite météorite? Ah bah elle est là. Hop. D'ailleurs, attends, 8 rebirths, c'est facile en vrai. C'est fastoche. C'est fastoche, 8 rebirths. Par contre, l'autre, c'est combien? C'est 100 rebirths, c'est ça? Non, c'est pas 100, je crois, je dis de la merde. C'est impossible que ça soit 100 rebirths. Je pense que ça doit être 15 ou 20 rebirths. Ouais, ou maximum 25, je pense. Bah, en vrai, je pense que si vous êtes déterminé, vous pouvez le faire, les gars. Là, c'est vraiment une solution d'avoir un huge facile. Je vous rappelle, mais x50, 8 rebirths, vous avez. C'est combien déjà? C'est 1600, donc une chance sur 1600. Et le x100 qui est là, c'est une chance sur 800, donc c'est vraiment simple. Vous pouvez pas faire plus simple que ça. C'est le huge le plus easy de la Terre. Même si les cartes, elles valent un peu cher. Après, quoique, ça va. Elles valent, ouais, elles valent 100 000. Ça va. Tu te prends à peu près 100 cartes. Tu te prends 100 cartes et t'es bien, hein. T'es très très bien. 100 cartes, c'est combien? 10 millions à peu près. Ça va. Allez, météorite, c'est parti. Le petit huge. Et on a eu un petit cadeau. Ok. On va l'ouvrir quand même parce qu'on sait jamais. Hop. D'ailleurs, je pense que vous avez remarqué, mais je garde toujours un item de chaque. J'aime bien faire ça. Comme ça, tu vois, à l'avenir, peut-être, soit mes items ils vendront cher, ou soit. Je pourrais faire un pack opening de tous les items. Genre, t'imagines, j'ouvre genre un IPEG, un loot box, un global event, un happy new year. Enfin, tu vois, j'ai même certains trucs qui valent cher. Genre, lui, il vaut 60 millions. Enfin, tu vois, c'est rigolo, c'est rigolo. Bon, même s'il y en a, ils valent que dalle, mais c'est stylé.
Du coup, ouais. Le seul truc que j'ai pas encore collectionné, c'est les œufs, mais les œufs, ça vaut vraiment trop cher. À l'époque, on aurait pu, franchement. Parce que je me rappelle l'époque où les œufs valaient 10 millions de gemmes, mais maintenant c'est au moins 50 millions, certains qui valent au moins 100 millions. Enfin, laisse tomber, frère. Tu peux rien faire en fait. Hop. On enchaîne, on enchaîne. D'ailleurs, j'aimerais bien mettre sur l'un de mes meilleurs huge un petit overload en vrai. Mais je pense que je le ferai plus tard. On verra. Allez, le huge. Non, toujours pas. Bon, mais il nous reste combien de cartes là? Parce que on parle, mais. Est-ce que j'ai le huge? Le huge, non, les cartes. Ah bon, lui, il veut que je le spoil. Je spoil pas. Tu verras demain. Hop. Ok, là on l'a pas. Quand vous voyez qu'il n'y a pas un item violet, les gars, vous savez que vous l'avez pas. Il vous faut obligatoirement un item violet pour l'avoir, le huge. Allez, allez, encore, 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 encore. C'est un peu long. Ok. Pas d'item violet, donc on l'a pas. Boum, on continue. D'ailleurs, les gars, quand vous verrez cette vidéo, entre 16 et 18 heures, et bah, je serai en live sur YouTube à 18 heures pour la mise à jour. Donc n'hésitez vraiment pas à venir, les gars. Tous les samedis, je suis en live sur YouTube pour la mise à jour Pet Simulator. Et puis après aussi, sinon, tous les soirs 20h30 sur Twitch. Mais si vous voulez vraiment Pet Simulator mise à jour, c'est YouTube, les gars. YouTube, 18h, tous les samedis, mise à jour Pet Sim en live. Eh, les météorites, c'est long à casser en vrai. C'est méga long. Allez, on y est presque, on y est presque. Attention. Et encore un gift bag. Comme d'habitude. On va l'ouvrir quand même, on sait jamais. Attention. Suspense. Et flop, flop, flop. Ok, on continue. Il nous reste combien de cartes? Je crois qu'il en reste 3. Ouais, non, 2. Bah, c'est la troisième là en fait. Ok. Encore 3 et on a fini, les gars. J'espère on l'a. Hein. Si on l'a, vous pourrez dire vous étiez resté jusqu'au bout de la vidéo. D'ailleurs, s'il y a des gens qui sont restés jusque là, même si on n'a pas encore fini, mais on a bientôt fini. Et bah écrivez dans les commentaires, vous écrivez carte secrète dino. Voilà, vous marquez ça dans les commentaires. Et comme ça je sais que vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo. Tous ceux qui n'auront pas marqué ça, ça veut dire que c'est pas des vrais abonnés. Ok. Et la dernière du coup. Hop. On vérifie quand même, mais je crois que c'est vraiment la dernière carte. Ouais. On a plus de cartes après. C'est la der des der, les gars. Donc si on veut avoir le huge, c'est maintenant. Si on veut le huge, c'est maintenant. D'ailleurs, j'ai une strat, regardez ce qu'on va faire. Hop, on va changer de livre à la dernière seconde, hop. Et comme ça, regardez, peut-être qu'on va avoir le huge. Et non. Dommage, en vrai, c'était une bonne stratégie, mais bon. Ça n'a pas marché. Du coup, on va mettre ça là. Et on va mettre mes enchantes de pièces qui sont là. Hop, comme ça, je gagne plus de pièces. Boum. Ici, du coup, on a notre petit truc de huge assez stylé. Et donc là il nous faut 96B et 200B. D'ailleurs attends, mais je viens de penser à un truc. Il faut aussi que je fasse les îles en fait. Ah non, c'est bon. Ah oh, mais les îles elles sont faites toutes seules en fait. Ça c'est quand même pratique parce que j'avoue j'avais la flemme de les faire. J'avoue j'avais la flemme, du coup je suis à combien de pourcents là? Je suis à 99.2. Ok, il me manque vraiment plus beaucoup de choses là. Bon bah les gars, je pense qu'en vrai je vais le faire hors vidéo parce que j'ai la flemme. Donc il me manque juste deux trucs. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et puis ciao !